rien, bah il va mourir. Ça fait rien. Les autres prisonniers vont y faire sa peau. Voilà, c'est affaire réglée, hein, affaire classée. Alors. Ici. Ici, ici, ici. Il me faut un câble. C'est ça. Et on va déjà définir les différentes salles de classe. Salle de classe. Hop, du cycle 6. Par contre, on y voit que dalle. Ok, c'est ça, hein, c'est 6 fois 6 ça. Ouais, parce que c'est 5 fois 5 minimum, allez hop. On va expliquer aux détenus ce que c'est que l'égalité des chances, tout ça. Pardon. Tiens, plus de thunes. Ça faisait longtemps, tiens, que j'avais plus de thunes. Ça fait rien. Bon, nettoyage d'outils, je sais pas comment ça s'organise. Alors, on va dire que, hein, tant pis, hein, j'annule cette demande de subvention, tant pis. Combien je dois rembourser? J'ai rien payé, donc résultat, ouais, ok, ça me coûte que dalle d'annuler. Par contre... Si je réhabilite par l'habilitation, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, le truc, c'est les trucs pas... Le truc à la con, là. Ça, c'est la merde. Ouais. Bah, je vais pas trop avoir le choix, en fait. Pas trop avoir le choix. Tant pis. Allez, envoyez-moi les mecs. Combien j'ai gagné? Je vais pas regarder. 34 000. Je vais vite les bouffer. Et je vais pas les mettre au chien, putain. Bon, objectif, ça sera de pas les mettre au chien après. Bon, on a quelques salles de classe. Alors, je pourrais quand même. Ah oui, j'ai pas ça. Attendez. J'ai pas les trucs... J'ai pas fait les... Comment les libérations sous caution. Enfin, pas sous caution, mais sous... Bah, je vais faire cette pièce-là. Hein. La... Ah, comment ça se dit en français? La salle de conditionnel, voilà, c'est ça. Pour que les mecs ils puissent passer en conditionnel éventuellement. Ce que je ferai également, c'est la salle du courrier rapidement. Ça, c'est rapide à faire. Et ça permettra encore de mettre des prisonniers enfin voilà quoi.
d'aider les prisonniers. Enfin, de les mettre au travail, quoi. Ça, quand tu es prisonnier en isolement, ça se remplit, hein. Ça se remplit, ça se remplit. Est-ce que je peux éventuellement commencer un début? Je peux commencer un début de... Même pas. Je veux même pas commencer un début de nouveau quartier là. Enfin bref, alors. Oui, l'eau là-bas. J'ai dit comment j'allais... J'allais amener l'eau là-bas. Va falloir que je passe par l'extérieur. Pas trop le choix. Ouais. Allez. On va raccorder ici. Raccorder ici. Je regarde un petit peu jusqu'où va la flotte d'ailleurs. La flotte va falloir que... Ouais. Va falloir que de toute façon... Ça aille encore plus loin. Continuer un peu les salles de classe. Alors, les pupitres. Le bureau ici est décalé. Ça fait rien. Il manque 1 $. Tu me crois? Putain. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Un tuyau a lâché, il inonde le secteur. T'es sérieux? Et genre, ça s'étend à l'infini ou comment ça se passe? Genre, en fait, c'est vraiment en train d'inonder ma maison, ma prison, quoi. Au calme, quoi. Lol. Bon, bref. Trop dangereux, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la baston? Allez mec, il y a de la baston. Bon. 34 000? Pourquoi 34 000? Qu'est-ce qui s'est passé? Téléphone. Ok, alors pendant le coup de téléphone, j'ai terminé les salles de classe et je suis en train d'installer des nouveaux lits, histoire que notre voilà que l'infirmerie soit complète. De toute façon, j'ai 30 000. Attendez, je regarde un truc. Ah non, c'est bon. J'ai pas regardé où on en était au niveau des comment ça s'appelle.
Voilà, les détecteurs de métaux. Si je les avais tous mis, s'ils si avaient été tous installés, j'ai pas vérifié tout ça. Alors, clairement, je pense que par contre, le système électrique a été vachement amélioré. Enfin, dans le jeu, je parle. Parce que comment, parce qu'avant, on pouvait pas alimenter autant, quoi. Ah, quoi que ça commence à devenir critique quand même. Mais il manque un condo. Et là, on est bien. Mais clairement, c'était beaucoup plus nerf avant. Voilà, alors, au niveau du déploiement, il va me falloir au moins 3 prisonniers ici. Enfin, 3 prisonniers, 3 gardiens ici. Pourquoi 2 prisonniers? Voilà, et je vais commencer à mettre en place les programmes. Et le premier programme que je vais mettre... Alors, ouais, bon, on va les faire dans l'ordre en fait. Donc, il y a le santé culinaire. Bon, bah voilà. Ça c'est fait. Atelier, on s'en fout. Menuiserie, on s'en fout. Formation scolaire, pas pour le moment. Thérapie comportementale. Commencer. Ok. Donc, ça c'est bon. Menuiserie. Toxicomanie. Hop, ça c'est parti. La libération conditionnée. Hop. Groupe anti-alcoolique. Ok, d'accord. Pas de formateur. Ok, bon bah faudra voir. Et guidance spirituelle. Ah oui, la chapelle, exact. Je n'ai pas fait la chapelle. Donc le programme, ouais. Traitement pharmacologique, je peux en mettre plus. Je vais en mettre 3. Donc voilà. Donc au moins les mecs s'inscrivent et tout. Enfin voilà quoi. Ben, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et il me faut... Alors, il me faut plusieurs trucs. Alors, j'ai 22 000. Donc, premier truc que je veux faire, c'est les clébards. Pardon, c'est les chiens. J'avais dit du 21 sur 21, c'était suffisant. Allez, hop, 21 sur 21. Hop, voilà, on va mettre ça avec des petites cellules, enfin avec une porte de prison. Une porte de prison, une porte de personnel, une porte de prison. Allez, hop. Et je vais faire à côté un autre bâtiment. À peu près de la même dimension. Bon, deux, la même dimension, on va dire. Voilà, avec pareil une petite porte de prison. Donc ici ce sera le chenil. Pas de soucis. Donc là il faut les caisses de chiens. Donc ça pas de soucis. Voilà, et je prévois plein de chiens.
Parce que je vais engager plein de chiens pour pouvoir voilà. Et vous allez voir que dans l'autre pièce, ce que je vais faire, c'est c'est bloqué. Logique, je l'ai pas débloqué. C'est l'armurerie. C'est l'armurerie que je ferai à côté. Il y a l'armurerie et en plus il va falloir que je fasse la salle de sécurité. Mais ce n'est pas tout. Je vais également faire tout de suite, c'est la chapelle. Et la chapelle, je vais la faire juste derrière les salles de classe. Et je vais faire un petit accès par les salles de classe pour en remplir un petit peu cet espace qui est ici. Le sauvegarde automatique a fait sauter mon zoom, je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi je parle aussi vite, mais ça fait rien. 4. Hop. Donc on est sur une dimension de 25. Point insuffisant, de toute façon. Bon, voilà. Comme ça, c'est réglé. Passe au suivant. Alors, je vais prendre un autre, je vais prendre une autre subvention. Ça me donne 10 000 plus 20 000 quand ce sera accompli. Ça c'est trop chaud. Ça clairement c'est trop trop chaud. Ça c'est faut créer un atelier, c'est la merde. Ça, je sais pas comment résoudre le truc. Donc c'est ça, hein, d'après moi, les trucs d'outils et de... Quoi qu'il en soit, hop, alors, l'armurerie 2000, je peux la débloquer, et après je vais pouvoir débloquer les tasers et tout qui va avec. Il faut vraiment que je débloque lui là, le juriste, parce que ça pourrait m'aider, ça pourrait vraiment m'aider. Je vais déjà créer son bureau. Avec la petite porte du personnel qui va bien. Pas de bol, il y a un arbre devant. Est-ce que je vais faire tout de suite? Ou genre. Ok. Ok, tout va bien. Juste au moment où en fait je me suis dit bon bah laisse tomber, la thune arrive. Comme ça c'est cool.
Objet, démolir objet. Donc moi je voulais essayer de démolir ces deux arbres là. Bon, je vais les détruire manuellement parce que ceux-là, voilà, il n'y en a pas des masses. Voilà. Voilà, comme ça, ceux-là m'embêteront plus. Voilà. Alors, ok. La chapelle. Ouais, la chapelle. On va faire la chapelle tout de suite. Comme ça va nous faire la guidance spirituelle, tout ça. Donc en briques. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc du 25 par. Ouais, allez, hop. On va le mettre comme ça. Et comme ça. Et donc, objet, démolir objet, hop. Tout ça dégage. Un décès, trois décès aujourd'hui, cinq évasions, six évasions. Le mec se barre? Eh, oh, les mecs là! Lui là! Non, il a été libéré lui. Tout va bien. Tout va bien. Il a juste été libéré, il a purgé sa peine. Ouais, il y a ça aussi, il y a la conditionnelle. Je peux la faire rapidement. 1, 2, 3, 4, allez, hop, on va faire ça assez sobrement, comme ça, allez. On va faire ça ouais, au milieu. Comme ça. Allez. Et puis oui, les portes, toujours les portes. Allez. Il l'avait pas pris, je sais pas pourquoi. Ici, c'est pareil, il l'a pris ou il l'a pas pris. Il l'a pris. Allez, hop. Donc ça. Bah, c'est bon là, ça a été construit. Il faut juste que ce soit validé par le jeu. S'il vous plaît. À pas valider. Le jeu pourrait-il valider, s'il vous plaît? Ok. Bon, ben on va commencer par ça alors. Donc en pièce, ceci sera la salle de conditionnel. Je pense qu'elle est bien agencée quand même, cette salle. Table de parloir. Ah oui, alors je peux faire ça également. Ouais, et ben ce sera pas moins intelligent de faire ça.
Est-ce que là, résultat, je prends mes pièces et ce que je fais, c'est que le milieu, boum, je coupe. Et là, j'ai carrément deux salles de parloir, va de conditionnel. Et donc je peux en faire deux fois plus. Parce qu'en fait, si je mets deux tables dans la même salle, ça marche pas. Ça considère que... Enfin, c'était comme ça en alpha, et je sais pas si le bug a été résolu en version finale, mais quand je mets plusieurs... Bon, on va essayer, tiens. On va essayer, je vais mettre deux tables. Je vais mettre une deuxième table, et on va voir si ça marche. On va voir si la deuxième, si la deuxième table de chaque salle est utilisée. Parce que malheureusement, si je coupe encore au milieu, ça fait pas 5 x 5 et donc résultat, ça compte pas. Mais on va essayer ça comme ça. Pareil. Alors là, ça c'est important. Ici, je veux 3 gardes. Parce que quand les conditionnels sont refusés, les mecs peuvent être violents. Ça arrive souvent même. Alors ici, dans la chapelle, souvent c'est calme, j'ai besoin que d'un seul garde. Le chenil, voilà. Alors, au niveau logistique d'ailleurs, non, au niveau du déploiement, personnel seulement. Alors, le personnel seulement, dans le chenil, dans la salle de personnel, ici, 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 j'ai oublié de mettre l'entrée, mais c'est normal. Ici, c'est interdit. Elle reste autorisée. On est bon. On est bon. Alors ici, il manque juste... Voilà, il manque juste ça. Et ensuite... Donc la chapelle ici. Avec d'un côté l'hôtel, avec les bancs d'église. On va en mettre deux rangées. Voilà, et de l'autre, les tapis de prière. On va mettre dans le même sens. Normalement c'est tourné vers la Mecque, mais je sais pas où est le nord dans le jeu. Donc je sais encore moins où est l'ouest. Et encore, si c'est aux États-Unis, il faut diriger vers le nord. Oui, parce que quand on est aux États-Unis, en fait, si tu veux te diriger vers la Mecque, en fait, la trajectoire est plus courte en passant par le pôle Nord qu'en passant par l'équateur, enfin par, voilà quoi, pas qu'en se dirigeant vers l'Est en fait. C'est des calculs mathématiques qui ont montré ça. Enfin bon, voilà, ça c'est un peu de culture, mais ça avait, voilà quoi, aux États-Unis comme ça, quand les, avec quand le, en fait, quand le GPS est apparu et que les Et qu'il y a des... D'ailleurs, vous pouvez regarder sur internet, je crois qu'il y a un site, alors je sais plus comment il s'appelle, mais en fait, vous mettez votre position sur la Terre et le site vous montre dans quelle direction il faut se diriger pour être tourné vers la Mecque. Et le truc, c'est que le logiciel, quand ils l'ont fait tourner, donc c'est relié à des GPS et tout, quand on était en Amérique du Nord, et ben, il pointait vers le nord. Bah oui, parce que la trajectoire sur le... Parce que la Terre c'est une sphère, et donc sur une sphère la longueur la plus courte c'est en passant par le nord. Voilà. Ça jouait à quelques kilomètres, hein, mais bon, enfin, ça dépend où on se trouvait, pareil aux États-Unis, mais voilà, ça avait fait un petit peu parler de... Ça avait un peu foutu la merde, cette histoire.
Putain, ça coûte cher leur tapis de prière là. Bon. Alors, ici. J'ai oublié ça. Et donc, je vais organiser mes conditionnels. Mes conditionnels. Putain, ça a été corrigé. Non, 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 non. C'est deux sessions de une. Donc c'est ça, hein. Donc il y a... Donc voilà, donc une seule table est utilisée à chaque fois. Donc voilà, donc va y avoir les... Va y avoir... Et les trucs qu'il faut. Alors, cette porte-là, je veux qu'elle soit constamment ouverte. Ça sert à rien de la fermer. Et de toute façon, je vais devoir arrêter dans 10 minutes le tournage. Le devoir m'appelle. Alors, 18 000. C'est cool parce que je peux débloquer ça, ça, ça. Et des tas de bonnes choses. Alors, ça je m'en fiche. Clairement, je m'en contrefous. Les caméras de surveillance, pareil. Mais les mecs s'évadent. Mais par où ils s'évadent, les mecs? Vivement que j'ai les clébards quand même. Faut vraiment que j'ai les chiens. Promis, je vais les... Les commencer à les embaucher après, les mettre au chien. Hop, voilà. Alors ensuite en pièce on a l'armurerie. C'est pas ma guerre. Donc là on a l'armurerie. L'armurerie. Alors il va me falloir des râteliers d'armes. Qu'on va mettre ici les tables pour nettoyer et recharger les armes. Voilà, et surtout les casiers, et c'est ça qui fait le nombre de soldats que je peux avoir. Donc autant vous dire qu'on va en mettre une chier. Je vais prendre ça, j'ai pas le choix. Je vais prendre ça. Allez, hop, j'ai 10 000. Et je vais déjà commencer à faire le début. 1, 2, 3, 13. Et là, je peux étendre jusqu'où avant que ça lâche. Ok. Et j'ai même pas de quoi mettre la porte, j'ai mis vraiment trop... Ah non, non, c'est bon, j'en ai une d'offerte. J'en ai une d'offerte, donc ça passe. Et j'ai même la porte du personnel pour aller plus vite.
y a un mec inconscient en plein milieu là, au calme. Bah il y a un mort aussi. Ils ont menotté le mort aussi. C'est... Why not? Mais mec, ils ont fait tout le tour alors qu'ils peuvent poser une porte quoi. Ah là 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 là. Ah d'accord, c'est la sauvegarde du jeu qui a fait planter le truc. Ouais. En fait, maintenant, ouais, c'est l'outil pour détruire les arbres est mieux pensé qu'en alpha en fait. Donc l'astuce de la zone avec la création de fondation en fait ça sert plus à grand chose en fait. Mais en alpha j'utilisais cette méthode là, c'était plus rapide. Mais apparemment ils ont changé le truc donc c'est mieux maintenant. Alors la porte ici. Ouverte. Et je vais pouvoir... c'est ça. Ouais, bah c'est toujours ça qui est sélectionné, donc c'est cool. Bah on va commencer. Allez, hop. Tac, 1000. Eh bah j'ai plus tout. J'ai mis que deux cellules. J'ai mis que deux cellules et j'ai déjà plus de thunes. Bon. Je reçois encore des nouveaux prisonniers dans 10 heures. Dans 20 heures, je reçois 16 000 de la fameuse commande là. Et il faut que je crée deux gros bâtiments pour avoir les 200, la capacité de 200 prisonniers. Dès que j'ai la capacité de 200, c'est gagné. Pour cette partie là. Ok, alors, au niveau du personnel. Alors, j'adore la référence, hein. Maître chien K9, qui est marqué sur le... Donc K9, c'est le chien dans Doctor... Enfin, c'est le chien robot dans Doctor Who. Bon. Maintenant, en 2000... fin 2015, qui n'est pas fan de Doctor Who? Oh putain! Eh hey, mais arrêtez de faire descendre mes sous là! Ah oh, l'équipement en gilet tactique, comment ça m'a descendu ma trésorerie! Oh pas tolérable! Oh purée! Ah oh, la vache! Ah oh, ça c'était violent! Bon, ben maintenant, formation taser. Non, il me manque encore le niveau supérieur. Là, par contre, j'ai la guidance spirituelle. Hop, là, on peut l'entamer. On peut l'entamer de 5 à 7 heures. Donc au moins maintenant, les mecs vont pouvoir aller prier. Peu importe leur dieu. Ah non, j'ai plus une thune, putain. J'ai plus une thune, purée. Heureusement que j'ai 12 000 d'income. Mais j'ai 12 000 d'income parce que ma prison est surpeuplée. Hein. Ah bah, j'en ai des sous. Bougez pas. Voilà, j'en ai des sous. Mine de rien, le bois, ça sauve la vie, hein, au début du... en début de partie. Hein. Clairement, on rase une forêt, hop, au calme. Allez, 20 000. Je vais pouvoir
Oh non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Un tassement de terrain a démoli une partie du mur extérieur. Mais t'es sérieux? Oh purée. Bon, j'ai des prisonniers qui sont arrivés, je vais pouvoir encore étendre ce bâtiment. Bah jusqu'au bout. Je vais même pouvoir l'étendre jusqu'au bout. Ouais non, mauvaise idée ça. Je vais créer le dernier ce qui reste là et puis après je vais pouvoir... En déploiement. Voilà. Il manque la flotte, l'électricité là-dedans. Voilà, comme ça, au calme. Jusqu'ici. C'est ça. C'est ça. Ok. Les petits toyaux. Et vu que j'ai encore un peu de sous, ce que je vais faire, matériaux, dalle en béton, je vais terminer cette petite partie ici. Cette partie là, quelle heure il est? Ok, il va falloir que je m'arrête de toute façon, je suis désolé. Et je vais tout de suite engager des yens. Au moins une quinzaine et... quelques gardes armés. Et organiser mes patrouilles. Alors patrouille de chiens. Alors, les patrouilles de chiens...
va se faire comme ça. Donc là c'est 1, donc c'est ça. Donc pour le moment comme ceci. Et je vais mettre quelques chiens dessus. Donc 1, 2, 3, allez, 3 dehors, 2 hors pardon, et je vais en mettre à l'intérieur. Donc à l'intérieur j'en mets un chaque qui va, voilà, qui va venir. Et les patrouilles armées, c'est pareil, je vais les mettre à l'intérieur. Je vais également en mettre 1, 2 et 3 doigts comme ça. Alors, est-ce qu'il y a besoin ailleurs? Alors oui, il y a besoin ailleurs. Il y a besoin ici. Il y a besoin ici. Moi, j'ai besoin d'avoir au moins un garde armé ici. Je dirais même au moins deux gardes armés. En fait, il faudrait jamais que mes gardes armés soient seuls. Parce que s'il y a un prisonnier qui garde un... enfin qui chope une arme, faut que l'autre puisse le buter direct. Donc faut jamais que mes gardes armés soient seuls. Parce que s'ils sont butés par un prisonnier, le prisonnier récupère l'arme et là c'est terminé. Là c'est terminé. Il vous fait un carnage dans la prison. Ça peut être marrant en remarque, hein, mais bon. Si on veut. Mais voilà quoi, c'est... Ok, j'ai eu mes 16 000 de subventions. Donc ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah on va pouvoir faire l'autre... Hop, béton. On va pouvoir faire l'autre cellule. 1, 2, 3... 4. Et après, faut vraiment que j'y aille, je suis désolé. Encore une fois. Donc 12. Non, 13. C'est 13. Voilà. Voilà, et là, on a notre fameuse porte de prison. Et la porte du personnel temporaire. Et dès que ça s'est construit, déjà je vais terminer les cellules ici. Wow! Mais c'est qu'il y a du monde ici. Les mecs, plus l'infirmerie est grande, plus il y a de mecs à l'infirmerie, quoi. Hallucinant, il y a un tunnel là. Il y aurait un tunnel ici, les mecs. Il y a un chien dispo ou pas? Un quelqu'un? Il y a un quelqu'un dispo? Là, le quelqu'un. Viens voir quelqu'un.
Viens voir ici, quelqu'un. Alors, quelqu'un, quelqu'un? Non, y a rien, quelqu'un, y a rien, quelqu'un. Ok, y a rien, quelqu'un. Pardon, je suis désolé, je suis navré. Alors c'est le problème, c'est qu'on va avoir un tas de fausses alertes comme ça, hein, à chaque fois qu'il y a des tunnels. Mais bon. Voilà, quand ils tombent sur un tunnel, par contre, ils tombent sur un... Voilà, quoi. Quand ils en trouvent un, ils en trouvent un, quoi. Mais parfois, il y a énormément de fausses alertes aussi, c'est le problème. Quoi, comment ça? J'ai déjà pété mes 7000. Ah bah oui, j'ai construit le truc à côté. Bien sûr. Non, parce que je voulais. C'était l'icône à côté que je voulais. Ok, quelle heure il est? Ah non, faut vraiment que j'y aille, les mecs. Alors, j'espère que cette seconde session de tournage vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Peut-être que je reprendrai un peu plus tard dans la soirée. Mais je pense pas. Alors, le truc, c'est que, normalement, à chaque objet qu'on trouve, on est censé récupérer la thune, quoi. Ou alors, attendez, ou alors je me suis planté et... En fait, il va falloir que je me crée un truc de sécurité. Faut que je me crée un bâtiment de sécurité. Je pense. J'ai toujours pas fait mon entrée ici. Ok, bon. Écoutez, je vous laisse ici et puis peut-être que je jouerai un peu hors caméra pour avancer un petit peu dans la construction de ces cellules. Je vais peut-être créer un troisième bloc, mais en gros, quand on se retrouvera, on sera à 200 prisonniers de... à une capacité de 200 prisonniers. Voilà, et là, j'ai créé le bureau pour le futur avocat que je vais engager à 5000 euros. Voilà, 5000 dollars. Donc, je vous laisse ici. Peut-être que pour vous, hop, on va se reprendre à la suite. Ou peut-être un autre épisode, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je m'occupe du montage ce soir. Et puis, je vous dis à bientôt.